Salut! Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et être au courant des prochaines vidéos. Je te propose de rejoindre mon Discord afin d'être au courant de l'actualité de ma chaîne. Suis-moi sur Twitch pour des lives toujours plus fous en compagnie de toute la communauté. Sur ce, je vous laisse et bon visionnage! Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Black Carry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 26, il me semble, ouais, 26 de Mario et la Parquette Kingdoms Battle. Ce jeu que je commence à surkiffer de ouf. Enfin, je surkiffe déjà depuis un petit moment. Donc là où on doit aller. Le vert. Bon, d'abord on peut aller là-bas. Le vert il est free, on le prend. On l'active. On peut pas bouger l'autre bloc donc ça change rien. Et du coup de ce côté là on peut aller là dessus pour prendre cette statue là. On peut activer le jaune pour le coup. Nickel. Retourner dans le vert. On fait coulisser. Nickel. Du coup on peut maintenant faire coulisser le bleu. Bah voilà. Donc on active. Oh c'est grave stylé. Plus besoin de rien faire. Alors il y avait pas des trucs cachés par hasard au cas où? Non. Y a pas l'air. Et bah voilà. Ça a plus de peur que de complexité quoi. C'était plus simple que ça apparaît. Par contre je suis désolé mais c'est grave stylé. On aurait fait un Mario Galaxy avec le même graphisme là, une remasterisation de Mario Galaxy avec le même graphisme, ça aurait grave kiffé. Genre il n'y avait pas moyen de mettre ces graphismes là. Damn! Let's go guys! Ah je crois qu'on allait rentrer par le nez de Bowser, je me disais aussi. Oh damn! Château de Bowser, on monte 4 chapitre 9. Ah lui il a goulag hein. T'es là toi? Eh, vous devez aider mon père. Il aurait pu massacrer ce truc lui-même, mais il a eu un problème. Alors, il est trop tard. Il faut rentrer au château de la princesse Peach et rassembler nos forces. Non, s'il vous plaît, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je sais que c'est ma faute. Oh, Bowser en PLS, je suis KO. Il va le tuer, l'absorber, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? A chaque fois qu'il y a un monstre, il l'absorbe quoi, c'est incroyable hein. Bowser, tu sers vraiment à rien pour le coup. Par contre, il a l'air maigrichon comme ça. Hop là. C'est grave stylé quand même. Bowser méga dragon. Vaincre le boss, les gars. Quelle est la mécanique? On a deux Valkyries. On a. Waouh, il y a quatre Valkyries. On va commencer par attaquer les Valkyries, je pense. Hop là, de ce côté-là. Moins 100, moins 100, moins 100. Et voilà. Putain que Mario peut faire la même normalement. Moins. Bah pas moins 100 mais. Ah quoi non il peut faire qu'un. Oh c'est de la merde. Ah non c'est Luigi ça c'est pas Mario. Ce côté là. Il y en a un où je voulais améliorer quand même le nombre de dash qu'il peut faire. Moins 100 encore. Mario peut pas le faire. Même à plus courte portée. 90. Ça va il est quasiment mort. Va pouvoir faire c'est peut-être attaquer lui il est mort autant le tuer maintenant parce que si avec un ennemi tracer j'utilise une balle pour lui j'aurai le same tu vois. Ah, ça c'est bon on peut booster la force ok on booste maintenant on va tuer le côté droit
Et on va utiliser les longues distances. Nickel. Sinon ils vont nous faire des méga sauts et bon, moyen quoi, je suis pas trop chaud pour les méga sauts. Ok, let's go. On va compter sur l'ennemi choisisseur de Luigi pour commencer. Il va se déplacer. Enemy Tracer 1 boosted hein. 226, 2 3 quasiment 700 de dégâts, 700-800 de dégâts. La moitié, là il a pris la moitié de ça. Ah oui, quand même. Ah du coup ils vont l'attaquer, ça c'est pas grave. C'est pas grave, c'est elle la healeuse. Donc qu'elle prenne tarif, je m'en fiche tu vois. Ah d'accord, elle a fait enemy trace. Ah ok, d'accord. Genre elle a fait son type de enemy trace. J'avais pas compris quelle animation elle avait fait. Bon de là-bas il se fait toucher. Elle se fait toucher encore. Voilà, elle a pris tarif. Nice. Bah écoutez, on va bien se marrer. Parce que regardez qui est à nos pieds. Regard héroïque. Qui est à nos pieds? Tu sais, c'est bizarre ça. Comment ça cible hors de portée? T'es sérieux? Oh, t'es sérieux? Il est vraiment à un bloc, je pourrais pas le toucher. Qu'est-ce que je peux faire alors? On va peut-être se mettre juste ici. T'inquiète, Luigi, on va te sortir de là aussi. Hop là! 210. Luigi, pour le coup, tu vas aller encore plus loin, mon frérot. Jusque là. Tu lui as fait 800 de dégâts toi tout seul. T'inquiète pas qu'on est là pour assurer. 230. Reste plus qu'elle. Moins 100. Alors est-ce que tu es encore... Là tu l'as, tu l'as. Je vais aller... Faut que je place un endroit où je peux pas trop me faire tirer dessus, sauf que là ça devient compliqué quoi. Moins 100. On peut se healer. Ça compte pendant 3 tours, mais bon. Le heal, je pense que c'est le plus important. Et là, on peut attaquer Bowser. 200. Let's go. Il va bouger. Oh non, t'es sérieux, le gamin. Il va quand même bouger. Non, ça va, Strike. Ça va. Ok, ok, pour le moment, ça va. Mario, tu pourrais pas, genre, t'écarter un peu, quoi. Sinon, ton regard heureux qui sert à rien, Mario. Tant quoi que lui, il va bouger. Hors de portée. Et là ça a marché. Ouf, en plus tu l'as rapproché gros, mais c'est incroyable. Bouge, t'es mort. Enemy Tracer. Piu. Enemy Tracer. Piu. Hop, hors circuit, t'es mort. Voilà. Bon. On va aller se mettre totalement hors de portée. Genre là. On lui fait juste ça. Boum, 180. Je vais économiser le regard héroïque. Hein. On sait jamais. On va économiser. Parce que ça se trouve, il va y avoir plusieurs manques. Mais je peux pas me dire que 1600 là, on l'a déjà tué, tu vois. Voilà, plus 1600, 3 fois. Donc là, ça va être utile. Qu'est-ce qu'il fait? Mais dis pas qu'il va raser toutes les structures. Ah non, rien. Si, il fait raser toutes les structures. Mario, il a encore des coups touchés. Bah, il a pas rasé toutes les structures, mais bon, il a quand même fait un bon taf. Ah bah, là, Luigi, t'es dans la merde. Ah, mais là, s'il y a une pluie de feu, si je touche pas.
d'accord. Je lui dis, tu peux pas te déplacer. Ah non, tu peux plus rien faire. Mario, c'est seul à pouvoir bouger. Ah, quoique elle aussi. Peut-être que je me suis mal placé, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je fais ce qu'il faut. On va se prendre du shield, je sais qu'on va prendre taré. Elle ou j'y regarde assis. C'est bien fait de l'économiser. J'espère qu'il va pas attaquer directement. Juste ici, essaie d'attaquer. Essaie d'attaquer Mario, comme ça tu n'as pas les deux. Ah merde, ça repousse. Non, ça c'était pas prévu qu'il repousse, les gars. Enemy Tracer, 1, 2, 3. Nice, donc déjà 164 x 3, plus ta bombe, 195. Il est quasiment passé midlife. Quasiment. Ah, il a pas pitch. Non, ça va, c'est pas tombé dessus. Putain, ça a même contourné Luigi, quoi. Ah, si, c'est bon. Shield Mario, faudrait que la papy tu rejoins. Oh là là, oh là là, mais là le combat il va être hardcore, gros. Je peux pas win ça. Mais non, 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 tu peux pas win ça. Je peux pas du tout win ça, gros. What the fuck, je peux pas win ça, c'est pas possible. Hop là. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Hein. En plus j'ai ça lag quand il y a le. Quand il y a Bowser. Toujours en position de visée, ça c'est bien. Moins 100. Moins 100. Moins 100. Moins 100. Et avec Luigi, on décale. Là il prendra rien, mais lui il va prendre un peu de dégâts. Pour le coup, Luigi peut pas faire autant, je crois. Non. Il en fait un et après il se casse. Juste ici. Luigi, je te fais confiance. Tu peux faire plus. 189. Là, c'est Mario qui est le plus dans la galère en fait, parce que c'est lui qui a le plus de vie. Enfin, c'est qui a le moins de vin. Qui a le moins de vie, justement. Oh là là. Oh, j'avais oublié la mécanique où il changeait de côté. Je me suis placé par rapport aux autres. Normalement, j'esquive tout. Ah putain. Attends, ça l'a pas touché le gros. Tu te fous de ma gueule. Oh, mais quoi. Genre, vraiment. Ils vont prendre tarif. Hein. Ouah, le shield de bâtard. 44 75. Par contre, si j'arrive à tous les paquets, ça c'est bien. Il va attaquer le logique. 118. Là Mario va goulag, hein. Encore 1600 x 2, je dis pas. Mais là, c'est pas un combat contre le boss, c'est un combat contre les petits en fait directement. Prendre tarif. Il est sur le chemin. Et le Valkyrie. Il voit plus rien, il peut pas attaquer. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de la Papitch. Lapin Peach, tu peux faire combien de... Oh, tu peux rien faire, t'es hors de portée de tout. Ah, quoique, tu peux en faire. Un là. Et ça se régène dans un tour, donc là... Là, si je l'avais pas hors de portée, elle va prendre tarif. Oh, c'est nul, je peux rien faire.
nous ont encerclés comme il faut. Là, je vous avouerai que je suis à court d'idées. Si je me mets à côté, c'est goulag, hein. Mais au moins, s'il bouge, c'est fini. On va essayer. On mise tout sur Luigi pour ce tour-là. Alors, là, on va envoyer à lui. Il va prendre un peu cher, mais bon, ça... 204, il va prendre dans le shield. Mario, c'est peut-être pas la meilleure décision. Mais bon. On te met un regard héroïque. On booste pas de puissance. S'il bouge, tu goulailles. Et toi, bah. Mais non, parce que je voulais faire, t'es sérieux. Je voudrais bien annuler le tour, s'il vous plaît. Ok, Enemy Tracer, on économise. Enemy Tracer, 2. Ok, il y en a encore 2 de dispo. 1600, il a récupéré. 3. Ok, 164. 4. Nickel. D'accord. J'aimerais bien un peu de heal, hein, quand même. Hein. Là, ils vont rien pouvoir me faire du côté de Mario. Non, t'as 0%, c'est pas possible. Nice. Lui, il est loin. Il y a que lui qui l'a. Non, il peut pas tirer ici. Il va tuer. Tiens, putain, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Hein. Petit dash. Logique jusque-là. Je pense que je vais devoir armure point une deuxième fois. Une protection, donc ça sert à rien d'aller l'attaquer maintenant. Malheureusement, je vais pas pouvoir compter sur le heal pour healer Mario. Mario, t'as quoi? T'as un boost de puissance, tu peux peut-être lui faire partager. Qui fait le plus mal là? Attends, 181, 198. Ok, dans tous les cas, c'est la même chose. Et elle peut l'envoyer directement à Bowser ou pas? Ok, je sais ce qu'on va faire. Vise Bowser. On enlève la protection. Elle est encore là la prot? Mais non. Ok, on va économiser un tour peut-être. Ah, donc tu pouvais vraiment pas l'attaquer pendant ce tour là? Non mais c'est bien, on affronte le boss une première fois, tu vois. Par contre, là, ils vont goulag Mario. Hein. Boum. 44. Oh, il prend aussi tarif, le Bowser. Vas-y, continue. Allez, 77, il a pris aussi. Mario goulag. Il est toujours étourdi, lui. C'est bon pour moi, ça. Je peux peut-être essayer de finir, mais bon, tout seul, on va finir. Clutch avec Lapin Peach, ça va être compliqué. Il touche. Gamin. Mais non, mais le combat il est incroyablement compliqué. ...282, qu'est-ce qu'on peut faire? 1, 2... Eh, c'est trop. Je peux me mettre du shield et il n'y a que dans 3 tours que je pourrais me heal. Je pense que ce combat il est KO. Dès le début il est KO. J'aurais peut-être dû focus Bowser dès le début.
Putain, là, il a détruit le seul protection que j'avais. Donc là, tu peux tous les mettre en face de moi, je vais prendre tarif. Hein. Oh le bâtard! Ok, moins 200, au moins 40, moins 127. Mais Bowser il prend aussi tarif, hein, ça passe. Trop loin lui. S'ils veulent m'attaquer, ils vont devoir attaquer Bowser, c'est ça qui est bien. Mais après, ça fait pas tant de dégâts que ça quoi. Ok, Bowser il prend aussi. Pourquoi il s'est déplacé? Bowser il va prendre encore. Il ne reste plus que 500 de PV. Je pourrais pas le niquer pour 500. Ouais. Là il doit lui rester 400 et quelques. Il y en a un qui a pas encore attaqué. Fus. Oh lolo. Ah le gamin. Attends, il restait vraiment 35 à Bowser là? Avant de te concentrer sur Bowser Mega Dragon, essaie de t'occuper des autres ennemis sur le champ de bataille. Mais gros. Mais en fait, ils arrivent par tour. Donc ouais, si on prend peut-être le temps de clean, ça pourrait peut-être être pas mal. Nickel. Bon, pour le moment, c'est bon. Je les ai tous regroupés pour la pimpiche, c'est vraiment parfait. On va éviter de les mettre côte à côte cette fois-ci. Hop là, dans le tas. Moins 2 du coup. Enemy Tracer 1. Il est mort. Et le deuxième. Hop là. Nickel de ce côté là. Reste plus que Mario. C'est prévu. On a éliminé tout le monde. Premier tour. Il en reste plus qu'un qui est là-bas, mais t'inquiète. J'ai pas utilisé la pièce maîtresse de. Pour le moment. Tout est bon. Luigi, à toi. Enemy Tracer. Piu. Ok, s'il y en a un qui bouge, c'est Goulag. Putain, tout est prévu. Au moins, Mario va pouvoir bouger au moins. On va utiliser le heal early, c'est bien ça. Mario, tu back. T'as fait ton taf, parfait. Tu vas pouvoir back. Alors, ta range de soins. Ok, c'est bon. Mario back. Hop là pour moi. D'abord, tu soignes. Jusque là, tout va bien. Tu regardes héroïque. Et t'attaques Bowser. Ok, 210 de critique. On continue. 173. Luigi, t'es là-bas. On connaît quand même que t'es une tapette, mais tu sais très bien que ton sniper, il ne serait une très grande utilité. Donc tu lui mets. Hop là, one tap. Il va prendre deux fois plus de dégâts. Prochain tour, il prend deux fois plus de dégâts. Ah putain, j'avais zappé. Le gamin. Ça va, on n'a pas perdu trop de vie. Mais par contre, du coup, Mario l'a envisé. Normalement, il aurait dû être sur la droite, Mario. C'est abusé, ça, par contre. Il aurait vraiment dû être expulsé juste derrière le caillou. Hein, pour le coup. Il va encore être attaqué. Enemy Tracer, tu bouges pas, toi. Il est mort. J'ai été attiré, mais ça va, on m'a rien demandé. On peut lui envoyer ça du coup.
Cadeau de la maison, frérot. Hop là, j'espère que tu as kiffé. Luigi, tu restes caché derrière le mur. Mais tu peux te mettre là-bas. Au moins, t'es sûr que t'es pas touché. Regarde assez, ça me dérange pas. Du côté de Mario. Hop, on récupère tout ça. Alors, comme ça, je peux pas utiliser le marteau sur le Bowser. Il faudrait que je fasse un pas de plus. On va les séparer, on va éviter de les mettre côte à côte. Elle aussi va prendre. Il va prendre tarif. Nickel. Et ici, on va mettre Mario. Il a pris quand même pas mal de dégâts, il va falloir attendre quelques tours avant qu'il se régène. Nickel. Luigi fait le taf sur ce prochain tour. Ok, ennemi Tracer. Pouh. Ennemi Tracer. Pouh. Ennemi Tracer. Pouh. Ok. Là il va vers là-bas. Donc normalement on est tous protégés. Putain, ça a touché deux. Ça a touché les trois, mais non. Là c'est notre tour hein. Mario, tu retournes te mettre à l'abri juste là. On évite de se mettre sur le côté droit parce que c'est là où il va aller. De son côté, elle va aller jusque là-bas. Pas de possibilité de viser, mais bon, on va pas grid si on peut pas grid. Luigi peut toujours, il peut toucher n'importe où. Il a ? Ouais, il a. Hop là. Et tu vas te cacher le plus loin possible. Prochain tour. Là, les gros, ils arrivent. Là, on va rigoler puisque normalement, les bombes reviennent des deux côtés. Voilà, côté droit. On a analysé, maintenant on y arrive. Malheureusement, ça a tombé sur Luigi. Il est sorti au pire endroit, quoi. Dis-moi qu'ils peuvent pas attaquer, je t'en supplie. Ok, nickel. Luigi va te cacher. On va d'abord faire un petit coup de moins 100 à chaque fois. Puis on va retourner à côté de Mario. Prochain tour, on va pouvoir le healer. Mario, normalement, de là où t'es, tu vises parfaitement. On va peut-être booster aussi. On va booster, on va booster. Mario, d'où tu es, tu vises parfaitement lui là-bas. Avec les dégâts de rebond. Nickel. Il est mort. Tu peux aussi... Non. Putain, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, il est pas boosted, mais c'est pas grave. Hop, avec les dégâts de rebond. Nickel. On se met en regard assis, il y en a un qui bouge ses goulags, mais normalement c'est Bowser qui bouge en premier. Et il reste plus qu'elle. Mario va prendre un peu de tarif, mais bon, il va être healé au prochain tour, donc ça va. Espérons qu'il soit poussé vers moi. Ok, Mario il a plus de vie là. J'espère qu'il meurt pas. Parce que s'il meurt, j'ai le seum. Non, il fait que se déplacer lui. Enemy Tracer, 1, 2. Nickel. Pour l'instant il attaque pas, ça va. On lui fait des dégâts mais t'inquiète. Bon, espérons que ça touche pas Mario. Ah, ça a touché Mario. Oh vraiment. Au moins les deux sont côte à côte. J'espère qu'ils vont pas niquer Mario les deux autres. Shieldé. Il va attaquer Mario.
S'il te plaît, l'autre, attaque pas Mario, je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, c'est bon. Yes, c'est bon. C'est parfait, enfin. On va dire. Mario, il est en PLS. On va le laisser là. Son côté, elle. On va la mettre juste ici. Quoique, bon. On est obligé de toute façon. Un petit peu de heal pour les deux. Normalement, j'ai augmenté le heal, ça devrait faire l'affaire. Mario, t'inquiète. Et là, le problème, c'est que là, il va falloir niquer les deux d'abord. Va falloir niquer les deux d'abord parce que sinon on va avoir un problème la prochaine game. Bah du coup je peux repartir là-bas parce que lui va faire le tour. Normalement si je suis bon, il va faire le tour. Enemy Tracer. Piu. J'espère que ça le tue pas s'il te plaît. Il lui restait 600. Non c'est bon. Oh non t'es sérieux? Oh le gamin, il va se mettre en mode shieldé au milieu. Non même pas. Si, il va se mettre en mode shieldé, ok. Ok 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 ok. Regarde Acier. Luigi, tu me vises lui d'abord. L'autre, ils l'ont. Ok, nickel. Enemy Tracer 2, il meurt. Nickel. De son côté. Risqué de ouf. Risqué de ouf, mais bon. Écoute, ça fait 200 et ça le tue. Quelques dégâts pour ça, c'est largement bon. On prend du shield. Mario, tu vas rien faire pour le moment. Peut-être que tu devrais t'éloigner un peu. Pour le coup. Ok! Fin du tour. Là on est plutôt mieux que tout à l'heure. Eux ils sortent. Là Mario, je suis désolé, tu peux largement le smash. On va se recacher derrière un mur parce que sinon on est un peu dans la merde. Si jamais il dash encore, ça c'est bon. Alors Luigi, tu l'as pas envisé Bowser pour pouvoir l'avoir vu bouger? Ah peut-être qu'il est plus en regard. Ça foutrait le simple. Moins 200. Hop là, tu dégages. T'es le plus proche de nous et c'est pas le but. Passons à Luigi. Qu'est-ce que tu peux faire Luigi? Peut-être en éliminer un d'abord, mais les deux vont t'encercler. Non, c'est pas celui-là que je voulais tirer. Ah, quoique. Non, c'est pas celui-là que je voulais tirer. Ça reste le meilleur endroit où je peux aller. Je peux l'activer maintenant ou pas? Je peux refaire encore un déplacement là ou pas? Non, je peux plus. Là, Mario, là, il va vers qui? Il va vers Luigi. Ah, je pensais pas qu'il allait les détruire, mais vas-y, ils sont hyper loin les autres. Hein. Pour attaquer, ça va être compliqué, mais on va pouvoir se faire des petits en attendant. Ah, ils vont attaquer, ils vont l'attaquer, ils vont l'attaquer.
Ok. Moi, tu me connais, frérot. Je suis une grosse tapette. Je me casse jusque là. Parce que c'est le meilleur endroit où je peux être. De 1. Tu te mets en regard d'acier. Et là, on va viser pile lui. Comme ça, ça touche les deux. Boum! Avec dégâts de rebond, il est mort normalement. Coup critique. Nickel. Ah, lapin pitch d'agir. Moins 100. Moins 100. On va se mettre. On va revenir ici. Moins 100, moins 100. Tant que j'ai pas tiré, c'est bon. Hop, double dégâts sur eux. Avec les dégâts de poussée. Même pas, pas besoin. Coup critique, lui il avance. Enemy Trace, t'es de loin, je te touche. Boum, t'es mort. Non, un deuxième. Boum. On va en économiser. Mais non, trois. Ah, je pensais les utiliser pour buzzer, mais c'est pas grave. Bien organisé, le combat se passe beaucoup mieux. Nickel, je récupère les pièces aussi. Mets-lui la dose, frérot. Boum. Il va arriver. Je vais me mettre juste ici. Voilà. Et là, normalement, on va pouvoir fumer Bowser. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres qui apparaissent. Encore Luigi. Ah merde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ease up. Ça va prendre pas trop cher. Ok, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a... Ok, c'est ce qu'on va faire. Nickel, tu te mets en regard héroïque. Est-ce que tu lui fais assez pour le tuer? Nickel alors. Tu dégages. Et on va servir de lapin pitch. D'abord tu heal. Nickel. Non, si je la mets à la portée de Bowser, c'est mort. Luigi, du coup, tu pourras fuir jusqu'ici. On va essayer de ramener Luigi le plus proche des autres. Et normalement, c'est gagné. Ah, je peux peut-être... Non, non, non. C'est trop risqué. Il faut vraiment qu'on soit caché. C'est trop risqué de se mettre à découvert. Là, j'ai pas envie de perdre cette partie-là. Voilà, nickel. Alors, ça marche pas comme Scott, il est comme ça. Le regard héroïque ne fonctionne pas. Autant se faire plaisir. D'abord Mario. Outplay, bro. Boom. Ça, c'est bon. Ensuite, on se casse. C'est pas fini. J'en ai encore un qui arrive. Alors, si je peux peut-être m'escape un peu. Je vais prendre quelques dégâts, mais ça devrait suffire, c'est pas grave. T'inquiète. Tu vas te mettre protégé juste là. Avec une protec, on sait jamais. Et pour Luigi. Puisque le regard d'acier fonctionne pas, autant l'attaquer de front. 234. Le regard d'acier, le regard héroïque marche pas quand il fait son truc, même quand il revient sur place. Là, il reste 92. C'était Mario sûr à 100%. Même pas, c'est Mario. Non, même pas, c'est pas Mario. Bah là, il est mort. Hein. Là, il a fait la plus grosse dé de toute sa vie. Hein. Non, on va garder tout ce qu'il faut pour lui. On va utiliser Mario pour attaquer. Nickel. Ok, on l'attèche de chez Bowser. Donc déjà il sera moins puissant. Non, c'est bon, on l'a battu.
Non, 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 c'était trop facile. Il y a tous les persos qui sont là. On est là pour démonter, frérot. On va te niquer. Viens maintenant. Ouais, voilà. Quoi, tu viens quand même? Hop là. Ça dégage. Et toujours vivant. Mais what the fuck. Damn. Ah, c'est parce qu'il avait spawné, j'avais oublié. Je crois qu'il avait juste capturé. Non, il l'a absorbé carrément. Nice, bro. Bon. Je crois que j'ai une sacrée dette envers vous, les gars. Voilà. J'espère au moins que tu auras retenu la leçon. Et cela est valable pour nous tous. Nous ne devons pas manipuler les forces qui dépassent notre entendement. Je ne peux pas promettre de rester sage pour toujours, mais je vais essayer. C'est vrai que vous avez sauvé mon papa d'un dragon géant ultra puissant. Pff, je crois que je serai bien puni quand il se réveillera. Sauf si je vous colle tous sur le dos. C'est vrai, il déteste déjà Mario et... Une offre tentante. Hélas, nous devons retourner au château de la princesse Peach pour dire à tous que le royaume champignon n'a plus rien à craindre. A-t-on déjà fini le jeu? Mais non. Ah ouais, bon, à la prochaine alors. Bataille terminée, on a réussi. Quoi, c'était terminable en 7 manches? Oh, arrêtez, arrêtez. J'ai fait 0 mort en 12 manches. Et je n'allais pas le faire en 7, frérot. En 7, il fallait que je tryhard. Et que Bowser, je ne fasse que l'attaquer. Là, en 7, je suis d'accord. Mais je me serais fait niquer par les autres. J'ai pris mon temps de niquer les démolisseurs. Tout, tout. Arrêtez, c'est bon. Non, là, j'ai donné mon max. Vous pouvez pas, vous pouvez pas. J'ai donné mon max. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Oh the fuck. Et sérieux elle. N'importe quoi. Une statue de lapin Peach KO. Damn. Bah le jeu est fini je pense hein. C'était une belle aventure quand même, j'ai plutôt bien kiffé. L'alliance entre Ubisoft et Nintendo a quand même très bien marché. L'univers a été respecté, les décors et les détails des graphismes sont différents des Mario d'habitude, je trouve. Mais ils sont toujours aussi bien, je dis pas le contraire, ils sont toujours aussi bien. Le stratégique, il est un peu difficile au tout début parce que t'as pas beaucoup de capacités. Et au fur et à mesure du jeu, t'en as de plus en plus, ce qui te rend la tâche plus suffisante. Ce qui est plutôt pas mal. Une fois que t'as trouvé ta compo, ta composition de personnages et de capacités, je pense que tu ne devrais pas changer. Si t'as une capacité qui marche et tu sais de quoi sont capables tes persos, rien ne sert de changer. Franchement, ça sert à strictement rien. Moi, j'ai gardé les mêmes jusqu'à la fin et ils m'ont totalement suffi. Je crois que j'ai juste remplacé Lapin Luigi par Luigi, il me semble, et c'est tout. Parce que leurs capacités me suffisaient. On avait un bon corps à corps, qui est Mario. On avait un bon distance qui est Luigi qui faisait des beaux dégâts avec un triple tir au niveau du regard d'acier. Et on avait une healeuse, Lapin Peach, qui faisait énormément bien son taf pour le coup. Et j'avais pas besoin de plus hein. Avec des bombes et tout ça, j'avais vraiment pas besoin de plus. Donc franchement le jeu, si vous pouvez, testez-le. Même si vous avez peut-être déjà regardé le let's play, je peux que vous conseiller de l'acheter. Bon, pas trop cher non plus, faut pas abuser. Achetez le pas 45, il vaut plus 45. Mais je veux dire, si vous le trouvez pour 20-25 euros, ça fera suffisamment l'affaire. Et c'est quand même un bon jeu à jouer tout seul ou avec ses amis, je crois. Tu peux jouer à tour de rôle avec ta famille ou quand vous voulez. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Mais moi, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Peut-être un peu facile à certains moments et un peu trop difficile à d'autres moments. C'est mal dosé au niveau de la difficulté, je trouve. T'as des niveaux où tu pourrais les passer en fermant les yeux, en un seul tour c'est bouclé. Alors que d'autres, il me faudrait quasiment 10 niveaux si je voudrais tout finir, tu vois. Genre, c'est juste un exemple, hein, même s'il me faudrait pas 10 tours pour tout finir, mais c'est juste un exemple. Donc voilà, peut-être régler ce petit problème de difficulté qui n'est pas fait par parcimonie. Et en fait, le jeu est déjà très très bien en soi. C'est tout ce que j'aurais à redire de mon côté. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres jeux
à faire en let's play. Je suis ouvert à toute proposition. J'aimerais bien que ça vienne de vous. Moi, je propose pas mal de let's play parce que j'ai envie de les faire les jeux. Et ça me permet de profiter avec vous au max. Parce que les jeux, je les finis pas, comme je l'ai dit souvent en live, hein, les jeux, je les finis pas grâce à vous en une semaine. Mais je les finis plutôt en 3 à 6 mois. Et ça me va. Puisque du coup, les jeux que j'achète, c'est un réel investissement. Je les finis pas rapidement pour pouvoir les revendre ou quoi que ce soit. C'est des jeux que j'ai pu apprécier et qui vont rester dans ma collection. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour ça. Même si c'est moi qui fais le travail de vidéo, qui fait un peu le travail de montage, etc. Je trouve que c'est quand même ma motivation à vous faire du contenu qui me permet de faire durer des jeux aussi longtemps. Sinon, ça ne tiendrait qu'à moi. Je pense qu'en une semaine, voire deux semaines, allez, si je veux prendre quand même un peu mon temps, le jeu aurait été torché. Ah, petite animation de fin. Si dans toute l'histoire, un appareil quelconque a réussi à causer des ennuis à plus de monde, j'aimerais savoir lequel. Une minute, l'histoire. Je pourrais utiliser cette machine pour remonter dans le passé et nous aider à sauver Spawny et le royaume champignon plus facilement. Attendez, si ça se trouve, je l'ai déjà fait. Et si mon plus grand fan, c'était moi depuis le début? Pff, ça n'a pas de sens. Quel malade égotiste pourrait se vautrer dans une telle satisfaction de lui-même? Je devrais peut-être tout de même envoyer ces messages dans le passé au cas où. Très cher Bip Zero, dont la bravoure, l'intelligence et la compassion, oula, etc. Je vais copier le reste. Sont une lueur d'espoir pour nous tous. Si mes calculs sont bons, vous avez nécessairement besoin d'aide. Voyons, quel nom choisir pour éviter de me perturber plus tard? Ou devrais-je dire plutôt? Je sais, FB pour Futur Bip Zero. Une minute, j'ai oublié les pièces jointes. Exactement les mêmes qu'on a eu au tout début. C'est ce qu'on a au tout début de l'aventure, qu'on reçoit d'une lettre. Après réflexion, je devrais peut-être m'abstenir. On ne sait jamais quelles conséquences regrettables cela pourrait entraîner. Bon, là c'est trop tard, frérot. Ça a été envoyé. Oh bah, laissez peser, comme on dit. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis, frérot. Oh, cette petite musique. Et bien voilà les amis, nous avons fini Mario et la Paquet Train Kingdom Battle. Ça aura pris un peu de temps malheureusement, examen comme je vous ai dit, il y a tout. Mais j'espère que vous aurez kiffé ce let's play en ma compagnie. J'ai kiffé en tout cas en votre compagnie. Ça a été un réel plaisir de vous faire ces vidéos. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau live ou une vidéo. Ça dépend si je suis en live actuellement. N'hésitez pas à aller me follow sur Twitch. N'hésitez pas à me follow sur YouTube. Rejoindre notre Discord pour être au courant des dernières sorties de vidéos et des lives. Et moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. C'était Black Kirby.